Malala, un ami du Temple. Floirac, le message du Conseil était formel. Tu n'es pas le bienvenu ici. Je dois parler au Grand Maître. Il est en séance, avec les autres. Une autre fois, peut-être. Le roi Philippe désapprouve. Va au diable. Je me demande bien pourquoi tu ne pourris pas au fond d'un cachot. Nous avons été trahis. À vos épées, messieurs. Défendez le temple. Pas toi, mon frère. J'ai une autre tâche à te confier. Viens avec moi. Le roi Philippe a agi plus vite que prévu. Quelqu'un d'autre, le maître. Le pape? Les assassins. Les assassins? Ça fait des décennies que les Khans mongols ont sapé leur pouvoir. Les assassins existaient bien avant Pasia. Leurs illusions anarchiques sont aussi virulentes que la peste, et encore plus tenaces. Nous ne triompherons pas ce soir, mais si tu te hâtes, notre ordre peut être sauvé. Que dois-je faire? Rends-toi à la tour, prends l'épée et le livre, cache-les. Ils ne doivent pas tomber entre les mains des assassins. Grand maître, je... Va! Abaissez-le pour le vide! Abaissez-le! Bon sang! Je dois trouver un autre chemin. Tirez au mousquetlon! Je ne dois pas le perdre! Il faut le rattraper! Va! Tu ne t'en tireras pas! Thank you.
Clément. Entends-moi. Avant que l'année ne soit écoulée, tu répondras de tes crimes devant le Seigneur Tout-Puissant. Et toi, roi Philippe, même le plus abominable des châtiments ne saurait effacer les maux que tu as infligés au Temple. Je vous maudis. Soyez maudits jusqu'à la 13e génération de votre sang. Soyez tous damnés. Ainsi prit fin l'ère de la sagesse, consumée par les flammes de la faim et de la colère. Les chevaliers du Temple, les fiers gardiens ancestraux de la paix, de l'ordre et de la sagesse, venaient finir.